Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles à Mel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de msemen, donc les feuilletés marocains. Une recette très appréciée de toutes et de tous. Vraiment hyper bon pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter, c'est hyper bon. Donc vous allez voir une recette hyper facile et c'est juste un régal. Aujourd'hui, on va faire la recette de ma maman, donc c'est elle qui va vous la préparer. D'accord. Salam alaikum. Bonjour. Donc, bonjour à la petite maman. Bienvenue sur la chaîne. Voilà, comme d'habitude. Alors, on va commencer par vous donner les ingrédients donc, pour la recette. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à peu près les mêmes quantités, que ce soit semoule extra fine 500 g et pour la farine, donc quantité égale 500 g de farine. Voilà. Ensuite, on a une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café, donc vous voyez c'est une cuillère à soupe, il y a à peu près la moitié, donc ça fait une cuillère à café de sel. Et ici, on a un verre, donc un mélange d'huile et de beurre, de l'huile de tournesol, donc environ 100 g de beurre fondu et le reste, vous complétez pardon, par de l'huile de tournesol. Voilà, donc ça fait à peu près 200 ml le verre. Donc c'est parti, on va commencer le mélange. Donc juste ici j'ai rajouté de l'eau tiède, donc pas de l'eau froide, de l'eau tiède. J'ai 800 ml et je vous dirai donc la quantité qu'on a mis. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de votre farine et de la semoule, mais on vous dira à peu près la texture de la pâte, c'est comme ça que vous saurez à peu près les quantités. Donc c'est parti. Donc on va commencer par mettre de l'eau tiède donc, dans... sur la levure, voilà, pour la réhydrater. Voilà, on va attendre une petite minute comme ça. Alors voilà, donc on a la levure qui a bien fondu, bien hydratée. Donc là c'est parti, on va commencer à mélanger. Alors, attends, reste ici, il y a la petite minute. Bismillah. Donc elle commence par mélanger la semoule avec la farine, avec un petit peu d'eau. Donc à chaque fois qu'on rajoutera de l'eau, je vous dirai. Voilà. Donc vous ne versez pas l'eau d'un coup, petit à petit. Au début on a comme un mélange de pâte sablée, voilà, on mélange délicatement. Il vaut mieux en mettre petit à petit que trop. Voilà, comme dit, il y a un dicton qui dit vos yeux sont votre pèse-aliment. Donc vous râpez, vous récupérez bien la farine sur les bords. Après là on fait à la main, mais vous pouvez très bien pétrir dans votre robot hein. Voilà, donc là c'est plus une habitude. Voilà, donc là elle est en train de bien la pétrir, bien mélanger. Elle récupère bien les bords et elle malaxe. Donc là elle a malaxé un petit peu. Elle va mettre donc la levure hydratée. Voilà. Ensuite le sel. Je mets le sel dans le coin, hop, sur le côté. Voilà, et donc là elle va bien pétrir sa pâte. Donc là il n'y a plus qu'à pétrir jusqu'à absorption totale de l'eau. Donc là ce qu'elle fait c'est qu'elle va faire une espèce de boule. Elle a pétri pendant 5 petites minutes, même pas, 2-3 minutes. Ce qu'elle va faire maintenant c'est qu'elle va la poser sur le plan de travail. Et qu'elle va la travailler un petit peu. Donc vous, si vous avez un robot, bah, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc elle va et vient avec sa pâte. Voilà. Jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Donc nous, on a mis la levure un petit peu après, mais si vous voulez la mettre au début, c'est très bien aussi. Vous mettez tout avec la farine, la semoule, la levure. Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi, c'est très bien. Donc là, hop, c'est du sport. On mélange bien. On pétrit bien.
jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Donc voilà, là, la pétrit pendant 3 bonnes minutes. Elle commence, regardez, ça commence à faire des petits clac-clac. Et on a une pâte bien lisse, bien homogène. Donc là, on va la remettre dans le récipient. On va la laisser poser une dizaine de minutes. Voilà, la remise à l'intérieur. Hop, donc on pouvait le voir, une pâte bien lisse, pas trop liquide. Donc en tout, on a dû mettre environ 400 ml d'eau, à peu près. 400 ml d'eau. Voilà, donc là, on va la couvrir avec un torchon propre et on la laisse reposer une dizaine de minutes, pas plus. Donc voilà, au bout d'environ 10 minutes de repos, pas besoin de laisser trop longtemps, elle a pris un petit peu de mélange d'huile, donc huile et beurre, et elle va former des petites boules qu'elle va mettre dans un plateau ou sur un plan de travail, qu'on va huiler avant pour éviter pardon, que les boules ne collent. On va huiler le plan de travail ou bien le plateau. On va faire des petites boules et on va les poser pour les laisser reposer un petit peu. Voilà. Donc huilez un petit peu vos mains. Voilà, montrez-leur la taille à peu près. Voilà, et elle regroupe la pâte au centre. Regardez, hop, et après, voilà. Donc elle refait la même chose. Voilà, super. Elle regroupe vers le centre, elle enroule avec sa paume. Et hop, elle pousse dans le creux de sa main. Voilà, et elle va faire des petites boules. On vous montre une dernière fois. Une quantité de pâte. Donc le fait de la faire sortir comme ça, ça va donner la même quantité à peu près à chaque fois. Voilà, pour qu'ils aient tous la même forme. Donc on va continuer comme ça. Alors là, elle est en train de faire des petites boules. Voilà, elle a presque terminé. Ce qu'elle fait, c'est soit vous les couvrez avec un film alimentaire ou bien un plastique par-dessus et vous mettez un petit drap. Soit vous mettez juste un petit peu d'huile et de beurre pour éviter que la pâte ne s'assèche par-dessus. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, pourquoi on a mis un petit peu d'huile, on ne va pas les laisser reposer, c'est juste pendant qu'elle va faire ces petits, qu'elle va les étaler, que les autres, comme je vous ai dit, ne s'assèchent pas par-dessus. Donc là, c'est parti, elle commence à les étaler. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre l'une sur l'autre, c'est ça? Pour feuilleter. C'est ça? Donc là, elle va étaler. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris un petit peu de semoule. Donc la semoule va permettre, quand on va faire le pliage, de laisser notre pâte bien feuilletée. Voilà, qu'elle ne se colle pas entre elles. Donc on étale bien au maximum. Le but, c'est de voir la table à travers presque. Voilà, plus c'est étalé, mieux ce sera pour avoir une pâte bien feuilletée, bien fine. Voilà, donc là, elle prend encore un petit peu. Donc à chaque fois, vous mettez un petit peu de beurre et d'huile. Vous prenez de la semoule que vous étalez et hop, vous repliez, voilà, pour faire la forme d'un carré. Donc de chaque côté, vous étirez un petit peu. Si votre pâte se craque, c'est pas grave du tout, il n'y a aucun souci vu qu'on va replier la feuille sur elle-même, le trou ne se verra plus. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous pliez une fois, vous remettez de la semoule. Voilà. Et là, hop, là elle va, je pense qu'elle va huiler un petit peu, elle va mettre sa feuille, sa petite pâte de côté. Mais on met toujours un petit peu d'huile en dessous pour éviter que ça colle. Voilà, donc on va refaire la même chose. On prend une boule, on étale au maximum, on s'aide en rajoutant un petit peu d'huile et de beurre. Donc voilà, on étale bien. On remet toujours un petit peu d'huile. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut presque voir la table à travers notre pâte. Ensuite, elle va mettre un petit peu de semoule. Et elle va commencer le pliage. Pour faire la forme, donc... Ah non, pour vous dire, moi, je ne suis pas une pro. Elle va déjà mettre au milieu. Voilà, et ensuite, elle replie. Voilà. Donc, je voulais que ce soit ma maman qui vous fasse la recette parce que je sais qu'elle fait hyper bien les mcmen. Donc voilà, toujours un petit peu d'huile et de beurre, un petit peu de semoule et on replie les extrémités. Voilà,
Donc là, on va continuer. Donc elle va huiler un peu, puis elle va les mettre de côté. Elle va continuer ainsi de suite. Et on se retrouve après. Donc voilà, là on a posé donc notre poêle. Si, dans notre poêle, qu'on a bien fait chauffer, bien sûr. Donc quand vous mettez votre semaine, la poêle doit être chaude. On a mis un petit peu d'huile. Donc on a bien mis de l'huile pour éviter que notre semaine ne colle. Et là, on va laisser cuire déjà d'un premier côté. Maintenant, j'attends. Voilà, on laisse même pas 30 secondes. Et on tourne. Voilà. Alors vous faites bien attention, vous la tournez un petit peu de temps en temps comme ça, quand elle va commencer à cuire. Attache. Donc voilà, hop. Là, on la fait bouger un petit peu, de temps en temps, pour qu'il y ait une cuisson homogène. Et on la retournera encore un petit peu à chaque fois. Donc bien sûr, les msemen, c'est pas quelque chose de healthy, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est des petits pains bien feuilletés, hyper bons. Voilà, donc hop, elle continue. On les tourne un petit peu. Voilà. C'est bien croustillant de l'extérieur. Donc voilà, là on vient juste de la retourner. Regardez, elle commence à être bien dorée. Et on la laisse cuire aussi de ce côté. Voilà. Et en même temps, regardez, avec la levure qu'on a mis, vous voyez bien que les feuilles sont bien aérées. On a une pâte bien feuilletée. Une semaine bien feuilletée. Voilà, elle continue ah, c'est de bon. la tourner. Donc là, notre première semaine est presque cuite. Et on va pouvoir en mettre un deuxième. C'est bon. Donc, regardez, là, c'est bien doré. On va pouvoir l'enlever et en mettre un autre. C'est bien. On entend bien le Elle va croustillant. prendre. Voilà, on enlève celui-ci. Hop, et on va pouvoir en mettre un autre. Donc pour que ça ne colle pas, c'est important d'avoir un plat, soit une grande poêle. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir une poêle un peu lourde avec un fond assez lourd pour que les msemen ne brûlent pas. Voilà, et si la poêle est trop fine, ça va vite brûler la semaine. C'est pour ça que nous, on utilise des plats comme ça. Essayez de prendre une poêle avec un fond assez lourd, épais. Donc voilà, on a laissé 30 secondes et hop, on la retourne directement. Voilà. Et on fait cuire de l'autre côté. Alors voilà, là, elle est cuite, bien dorée des deux côtés. Et là, regardez, elle prend les deux côtés, hop, pour ouvrir la feuille. C'est chaud. C'est un peu chaud, vous faites comme vous pouvez. Voilà. Voilà. Donc nous, on va continuer la cuisson et on se retrouve tout à l'heure. Alors là, je vais vous montrer une dernière qu'on va plier. En fait, ma maman a fait fondre du gras de veau. Voilà, donc ça a donné une petite huile. Ça va donner un goût, en fait, pour changer de l'huile de tournesol, donner un goût en plus, c'est un peu de gras de veau. Et juste ici, elle a fait revenir un piment, un petit poivron et de l'oignon, et elle va mettre ça à l'intérieur, voilà. Donc du msemen, un msemen qui va être piquant comme ça, voilà. Donc avec oignon, poivron et piment fort qu'on a fait revenir 2-3 minutes à peine dans de l'huile, voilà. Et la même chose, donc le même pliage, et on va le faire cuire, et ça donnera une petite couleur et un petit goût en plus, voilà. Et voilà, donc là on a terminé nos semaines, donc nature, et ici comme je vous ai dit avec des petits légumes. Voilà, donc elle va vous montrer comment ils sont bien croustillants. Voilà, voilà, salama, bien croustillant, voilà. Bien feuilleté, de l'intérieur, bien feuilleté. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette petite recette, très très facile à faire et juste un régal. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire cette recette. Ça s'est fait aujourd'hui. Bien, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Saha. À bientôt, au revoir.